Gigot hier a traité dans l'après-midi 90 hectares et dans les blés frais semés, il y avait des lièvres quand même. Mais ce sera pour l'année prochaine, c'est parti là, on ne va pas les faire. Hein. Donc, encore une fois, tout le monde a son permis, je pense. On a la chance d'avoir des jeunes permis au féminin. Nous, on ne connaît pas la ligne de Pivot qui est là, elle. Son cousin, le petit là, ça fait moi. Et puis son frère. Après, donc, on peut le faire. On va tirer uniquement, on ne tire pas les perdreaux, bien entendu, comme d'habitude, c'est l'éternel problème, on ne sait pas comment s'y prendre, c'est la question que tout le monde se pose. Hein. Alors, renard, on va faire très très attention, si vous avez un renard, on essaiera d'annoncer, j'annoncerai par exemple des fous, hein. Ça vous mettra un peu, si vous voulez, pour vous préparer si un renard vient vers vous. Le renard, c'est l'essentiel, hein, si on arrive à en faire. À savoir que lorsque Thibault a fini les carrés de maïs là derrière, le champ n'est pas grand, donc il a fini en l'espace d'une demi-heure à peu près deux carrés de maïs. Un bout s'est sauvé 30 faisans et un renard. À l'autre bout, j'y étais, il s'est sauvé 30 à 40 faisans et un renard. Il y avait au moins 50 faisans dans ce carré-là et deux, voilà, c'est le comble, hein, le comble, le comble. Alors encore une fois, je n'ai pas voulu prendre de risque parce que je me serais mis au bout, je n'aurais pas eu de soucis si tu veux pour les faire, mais on n'a pas le droit, c'est toujours l'éternel problème. Hein. Donc renard, bien entendu, on ne tire après en dehors de ça, on ne tire surtout pas des chevreuils, pas de perdreaux. Évidemment, si vous avez quelques pigeons qui sont valables, vous les tirez. Alors faisons, on va essayer dans les battues, dans les premières battues. On va tirer côté poule, parce qu'on est trop près des routes, et les routes font un dégât énorme en faisant. Hein. C'est vrai que par nous, tout le monde est là pour le voir. Tous les gens du coin, en France, c'est des routes, c'est quelque chose de terrible. Donc c'est pas la peine de laisser une densité de faisant trop importante, enfin importante au bord des routes, parce qu'il y a trop de dégâts. Et quand on sera au centre de la chasse, je ferai très attention pour vous dire on ne tient pas les poules, ou alors une poule par fusil. Et puis malheureusement il n'y a pas de vent, donc ça ne va pas voler très très haut, c'est un petit peu dommage, parce que c'est pas les mêmes coups de fusil. Quoi. Donc encore une fois, quand vous là il y a des moutardes qui sont assez importantes, elles ne sont pas grandes, ce n'est pas des grands carrés, mais elles sont très puissantes. Donc quand vous tirez un gibier, évidemment un faisan dans les moutardes, vous ne pouvez pas tirer un lièvre, surtout, vous allez le chercher aussitôt. Sinon, il va être perdu. Avec les chiens, enfin, vous faites attendre vos voisins, de façon à retrouver le gibier, il faut respecter le gibier, de façon à retrouver le gibier qui est tombé, faire un maximum. Et puis, si possible, si vous voyez qu'il y a trop de danger, il n'y a pas de chance de retrouver le gibier tellement les moutardes sont importantes, et bien vous laissez passer à votre voisin, ou vous laissez filer plus loin, de façon à ce que ce soit tiré en bonne condition. Hein. Des lièvres, c'est pas une grande année. Pour le moment, on ne va pas faire de restrictions, on verra bien. Encore une fois, les lièvres, on ne va pas se restreindre au départ. On verra bien le tableau à midi ou dans l'après-midi, comment faire si on limite les lièvres. C'est pas une grande année, mais il y en a quand même quelques-uns, mais c'est pas terrible. Les lapins, évidemment, les lapins, s'il y en a, il faut les tirer, hein, mais il n'y en a pas des quantités non plus. Hein. Donc je crois que j'ai fait le tour. Si on avait la chance d'avoir le gibier royal, là, la bécasse, et ben c'est pareil, vous vous appliquez pour la faire, hein, si possible. Hein. Donc quand vous êtes sous bois, vous ne tirez évidemment que à hauteur, parce que une personne qui n'est pas là, parce que je ne veux plus, qui avait failli causer un accident il y a 2 ans, j'ai eu très peur, d'ailleurs je lui ai dit, il n'est pas revenu ici. Ça peut arriver à tout le monde, mais il faut être très très prudent. Plutôt ne pas tirer ou plutôt que de rester un ennui. Hein. Donc on va vous répartir avec la voiture de Michel là et puis le tracteur. Moi je vais prendre le tracteur. Donc ici Jean-Claude, tu en veux 9. Alors 900 chiens. We'll be right back.
Ramassez vite, ramassez. Ah super, alors j'ai belles images. Hein. Tu l'as bien pris? Ah ouais, là, parfait. Ah, je vais le rapporter et tout. Génial. Vous mettez le tableau là, Pierre, pour qu'on repart aussitôt. Michel, la voiture de la poste. Ah bah je tire pas, puis je vois les deux arriver, je dis ça va le faire. Ça va le faire. Oh, ça vole bien, ça vole bien ça. C'est combien là? Ça fait 3? Du roi.
Ben, apporte. On va tirer de là tout le temps. Thank you.
Ah, celle-là, elle vole vite, hein. C'est une poule. Regarde, elle vole plus du tout. Elle a beaucoup de fusées, là. Attends, un peu plus fort. Pesant 81, donc 37 coqs, 44 poules, 27 lièvres, un pigeon, un merle, une bécasse et un renard. Ça fait combien ça? Je vais pas le total. Regarde le renard, t'as vu le renard? Vas-y, viens voir.